Bonjour à tous. Alors, dernière petite vidéo de l'été. Vidéo qui va dénoter un petit peu de celle que j'ai l'habitude de faire, puisqu'elle sera beaucoup moins théorique et beaucoup plus pratique, voire même ludique en fait. C'est une vidéo qui fait suite à celle sur le frugivore marin, où il va s'agir là de présenter donc une de nos capacités humaines spécifiques qui est assez peu développée en ce moment chez nous, c'est la capacité d'apnée. Et donc, j'avais envie de vous présenter une technique particulière que j'appelle technique contemplative, que j'ai découvert un peu tout seul en tâtonnant. Alors, je dis pas que je l'ai inventée, hein, elle existe certainement, mais comme je l'ai jusqu'ici jamais vu présenter, ben, je me suis dit, hop, on va le faire. Donc, en fait, c'est une technique que j'appelle contemplative ou apnée douce, puisqu'il s'agit à aucun moment de forcer. Et en fait plutôt de développer cette capacité naturelle, mais tout doucement, laisser le corps se réveiller, réveiller cette fonction-là. Donc je vais commencer d'abord par vous présenter et vous expliquer un peu en quoi consiste cette technique. Et puis après je vais même faire une petite démonstration, pour ça permettra de joindre l'image à la réflexion. Donc je vais commencer par vous expliquer en quoi consiste cette technique. Alors, grand point de cette technique qui vont beaucoup dénoter avec ce qu'on a l'habitude de faire, en général en apnée. Déjà, visuellement, cette technique va être très différente puisqu'on ne va pas nager, mais ramper en fait au fond de l'eau. Le fait de ramper, ça va déjà générer beaucoup d'économies d'énergie puisque on va pas, alors que la nage, on fait bouger vraiment tout le corps, ce qui est bon pour la santé, hein, mais dans cette technique-là, on va essayer de faire un minimum de mouvement, un minimum d'effort. Donc, on va se laisser porter doucement, on va juste avancer en rampant au fond de l'eau. Pour arriver à ramper au fond de l'eau, forcément, il ne faut pas avoir d'air dans les poumons, sinon on va forcer pour aller au fond de l'eau et s'y maintenir, donc ce qui est contre-productif. En fait, il va falloir souffler tout son air, ou quasiment tout l'air qu'on a dans les poumons, pour en fait couler tout simplement. Ce qui n'est pas facile à faire au début, enfin c'est plus psychologiquement, on a peur de manquer d'air. Il faut savoir qu'en fait, l'air qu'on va garder dans les poumons, à moins de vouloir flotter, en fait il est inutile. Parce que quand on remplit nos poumons d'air, les bronches vont directement, quasiment instantanément, récupérer l'oxygène et rendre le dioxyde de carbone. Donc l'air qu'on va garder ne va pas être plus riche en oxygène, on ne va pas pouvoir utiliser l'oxygène plus longtemps. Donc en fait, pour cette technique-là, il est inutile. Et donc le fait de ramper et de sans air dans les poumons, ça va être vraiment une démarche d'économie d'énergie, économie d'effort. Donc ça va demander qu'on soit aussi hyper calme. Hyper calme, pourquoi? Parce que on a besoin justement pour optimiser l'oxygène qu'on utilise. Du coup, et c'est là aussi où les efforts vont, enfin on va faire des économies sur les efforts, c'est qu'en fait le but aussi, enfin une des fonctions et un des, comment dire, des outils, on va dire, de cette apnée contemplative, c'est qu'on va avoir besoin de faire descendre vraiment très bas le rythme cardiaque pour avoir une consommation beaucoup moindre d'énergie, qui de toute façon on va pas en avoir besoin de beaucoup vu qu'on va avoir des mouvements lents. Donc pour ce faire, pour arriver à se calmer, déjà il faut peut-être déjà commencer par ne pas se concentrer sur justement notre respiration, parce qu'en général quand on fait de l'apnée on pense automatiquement la respiration, et du coup on s'affole un peu, ça génère du stress puisque se concentrant dessus on sent beaucoup plus les besoins, etc. Alors, il faut tenir compte, hein, de nos besoins, mais déjà, en fait, il va falloir, on va pouvoir trouver un dérivatif en se concentrant, en fait, sur les sensations épidermiques du contact de l'eau. Le fait d'avoir des mouvements lents, de pas forcer, on va être beaucoup plus réceptif, en fait, à toutes les sensations de la caresse de l'eau sur tout le corps. Donc déjà, ça va apporter du plaisir qui va contrebalancer avec le manque d'habitude de plus avoir d'air dans les poumons et de rester sans respirer un moment.
Et puis une autre, enfin ça va rendre la chose plus facile, plus agréable. Et puis éventuellement une petite aide psychologique, c'est de se considérer comme étant des mammifères marins, en tout cas semi-aquatiques, qui sont faits pour ça, qui donc c'est une capacité naturelle qu'il faut juste réveiller. Et donc ça, de se projeter, de se sentir mammifère marin quand on fait ça, ça aide beaucoup aussi à se rassurer et donc à faire baisser enfin se sentir bien, à faire baisser le rythme cardiaque, etc. Il y aura beaucoup de choses à éviter aussi. Souvent, enfin quand j'ai commencé l'apnée, j'ai vite compris qu'en fait, effectivement, on n'avait pas besoin de beaucoup d'air dans les poumons, mais surtout, en fait, si on le garde, on va pas avoir plus d'oxygène que ça. Et donc, assez vite, j'ai compris qu'il fallait hyperventiler avant, donc respirer beaucoup pour accumuler un maximum d'oxygène, et ensuite on pouvait y aller, on pouvait durer plus longtemps. Le truc, c'est que le fait d'hyperventiler, on va forcer, on va accélérer le rythme cardiaque, ça va générer des efforts, etc. Donc en soi, ça va pas être économe. Et donc moi, je conseille plutôt, au contraire, de respirer doucement, profondément. Donc là, c'est là que le calme est vachement important. Même pas forcément essayer de remplir au maximum les poumons, mais prendre le temps déjà au préalable de ralentir le rythme cardiaque. Moi, ce que j'aime bien faire, si par exemple j'ai fait des efforts avant et que du coup j'ai du mal à me calmer, je fais un peu de chant harmonique ou diphonique, ce qui permet en fait de maîtriser de manière assez intuitive et ludique son souffle, donc sans y penser, sans se forcer, et ça permet de se calmer justement et de faire baisser ce rythme cardiaque. À aucun moment quand on nage non plus, il faudra forcer, que ce soit pour la durée, la vitesse ou la distance. À aucun moment faut forcer, parce que tout forçage, soit que ce soit les efforts ou le fait de tenir, faire des efforts, ça va du coup consommer beaucoup plus d'oxygène, ça va augmenter le rythme cardiaque, donc on va s'essouffler. Et puis si on force dans la durée, en fait on va s'essouffler aussi, on va générer du stress, voire même une angoisse qui va faire accélérer du coup le rythme cardiaque, et le corps va se dire oh merde, il se passe un truc, faut réagir. Donc là aussi, ça va être contre-productif. Donc l'idée, c'est vraiment de rester calme et de surtout pas chercher la performance. C'est-à-dire, dès qu'on a une petite, on ressent la petite envie qui est encore de l'ordre du plaisir et pas du besoin de respirer, ben on remonte, on va respirer. Et en fait, comme ça, on va avoir moins besoin de respirer. Parce que si on dure, on va être essoufflé, il va falloir du coup rattraper en respirant très fort. Là, non, en restant calme, pas besoin, on se dit pas, il faut que je tienne jusque-là. Non, c'est dès que j'ai envie, tac, je remonte, je prends ma petite quelques respirations. Pour rester calme, justement, ça sera beaucoup plus efficace. Hop, je replonge et je remonte autant de fois que je veux. Je passerai de toute façon plus au bout d'un moment, assez vite, plus de temps dans l'eau. Donc les effets. Alors, non, déjà, pour prendre les. Donc en général, quand on fait de l'apnée, on est juste très vite dans automatiquement dans la notion de performance, à savoir qui dure le. Enfin, à durer le plus longtemps, ou faire la plus grande distance, ou aller le plus vite, etc. Là. On va prendre en compte, on va sortir de ça, et en fait on va prendre en compte le temps passé dans l'eau et dans l'air, mais de manière globale. C'est-à-dire que on va se dire sur une heure où je serai dans l'eau, j'aurai respiré tant de temps et je serai resté dans l'eau tant de temps. Et du coup, cette technique-là, avec ce déconditionnement aussi des habitudes d'apnée, va avoir beaucoup d'effets assez positifs. Alors déjà, assez vite, sans effort ni souffrance, la respiration va s'adapter tranquillement, naturellement en fait, pour devenir plus efficace. Elle va mieux absorber l'oxygène, elle va en absorber plus à chaque respiration, ce qui va permettre en fait de respirer moins souvent, de respirer moins finalement, puisque chaque respiration va être plus efficace. Du coup, le besoin de respirer s'espace. Et on finit par, alors qu'en général en apnée, entre le temps on va respirer, on va plonger, puis on va reprendre sa respiration, on peut être de l'ordre de 50% du temps dans l'eau, 50% dans l'air. Assez vite, avec cette technique là, on va se retrouver quasiment dès le début à 60-40, c'est-à-dire 60% de temps dans l'eau, 40% dans l'eau. Et même, moi au bout d'un moment,
À force de le faire, donc à chaque fois le corps se réveille, se réadapte et en fait je vais même arriver à passer que sur 1 heure par exemple, voire même plus. Je n'ai pas testé sur beaucoup parce que je vous expliquerai après pourquoi. Genre par exemple, si je fais des traversées de bassin, au départ j'ai besoin de 3 ou 4 pauses pour respirer, ce qui va me prendre moi 30% de temps de respiration, 70% de temps dans l'eau. Au bout de par exemple 10 traversées de bassin, je vais pouvoir faire la traversée en une seule fois en rampant, et en fait je vais respirer que 10% du temps et 90% dans l'eau. Donc ce qui est intéressant dans tout ce qu'on peut faire dans l'eau, tout le temps, toute la concentration, enfin toute l'adaptation qu'on peut faire dans l'eau, c'est un effet extrêmement apaisant. Moi, j'avais développé ça sans mon compte, en fait, là où je bossais en animation les années précédentes, où entre midi et deux, un peu tendu, un peu fatigué, etc. Enfin, pas forcément très bien, je faisais ça, ça avait un effet extrêmement apaisant. Ça faisait beaucoup de détente, à mon avis, pour deux raisons. À la fois, le fait de se concentrer sur ses sensations, ça apporte du plaisir, de l'ocytocine, ça fait énormément de bien. Et puis aussi, d'avoir une respiration plus efficace. Et surtout un rythme cardiaque plus lent permet de poser, de reposer le corps en soi. Donc c'est un effet très apaisant et même euphorisant, parce qu'il y a le côté sensuel qui est très très fort, pour peu qu'on y prête attention. C'est très doux mais très très profond, et ça fait énormément de bien, aussi bien physiquement que psychologiquement. Alors il y a un inconvénient quand même à cette technique, c'est que on se refroidit très très vite, vu qu'on ne fait aucun effort, on ne génère aucune chauffe, aucune surchauffe dans le mouvement. Donc si on fait ça en eau froide, on ne pourra pas faire ça longtemps. L'idéal, mais en même temps ça correspond à nos origines, on devait vivre proche d'eau beaucoup plus chaude. Donc ça peut être très bien justement si on a très chaud, cette technique là on arrive à se refroidir très rapidement, mais du coup si l'eau est pas très chaude et que dehors il fait pas forcément chaud, ça peut être moins agréable. On risque de se mettre à grelotter au bout d'un moment au fond de l'eau, ce qui enlève pas complètement le côté agréable, mais qui donne signe quand même qu'il faut sortir pour pas trop faire baisser la température. Alors je vais passer maintenant je vais vous montrer faire une petite démonstration. Alors je tiens à prévenir les âmes sensibles et puritaines que dans cette démonstration j'ai pas mis de maillot. Donc vous pouvez arrêter là, vous pouvez arrêter là la vidéo, vous avez déjà le principal. Donc voilà, maintenant démonstration. Allez, c'est parti pour la démonstration. Donc après avoir respiré profondément, on plonge en soufflant bien sous tout son air, on coule tout seul, et puis on se met à ramper en se concentrant sur nos sensations, ça fait du bien. Et puis dès qu'on a besoin, on force pas, hop, on remonte pour respirer tranquille. Faut prévoir le truc, hein. Dès qu'on sent un petit peu le besoin, hop, on y va doucement toujours. On prend les 2-3 respirations dont on a besoin, on ressouffle, on replonge. Alors sur la durée de la vidéo, là par exemple, on a filmé que le début, sachant que l'eau était très froide, donc on s'est bien refroidi, donc autant pour moi que pour ma jolie caméraman, on n'a pas duré trop longtemps. Mais donc voilà, sur la durée de ces deux traversées, un aller-retour, j'ai dû respirer 30% du temps et 70% dans l'eau. Alors effectivement, oui, quand il y a un petit mammifère marin qui vient vous emmerder comme ça, c'est sûr que ça aide pas à se concentrer, ça génère un peu de stress, ça aide pas aux performances. Et d'ailleurs là par exemple, je viens de faire une erreur en me propulsant, parce que j'essayais de le fuir un maximum pour pas qu'il me rattrape, parce que à cause de l'habitude. Mais du coup en fait en me propulsant, j'ai fait un effort un peu brusque par rapport au reste, et donc j'ai réaugmenté mon rythme cardiaque, du coup je reste moins longtemps, j'ai besoin de respirer un peu plus, un petit peu plus longtemps, etc. Mais bon, ça c'est pas trop grave. L'intérêt, enfin voilà, c'est bien de pouvoir être tranquille. Et donc je vais pas rester longtemps, mais quand l'eau est plus chaude, que j'ai plus chaud, comme je disais, au bout de 10 traversées, j'arrive à la faire en un seul coup, et puis surtout, j'arrive à un moment où j'ai besoin de respirer que 10% du temps et 90% dans l'eau. Donc ça, c'est assez génial.
Alors, en conclusion de cette vidéo, je vais rappeler un peu vite fait ce que j'ai dit, à savoir que l'apnée, c'est une capacité qui nous est naturelle. Donc, même si du premier coup comme ça, on n'y est pas habitué, on n'a pas redéclenché ce truc-là, à force d'en faire, et je tiens à rappeler, à le faire en douceur, sans jamais forcer, pour jamais affoler le corps ou le traumatiser, c'est une capacité qui nous est naturelle, donc qui va se réveiller toute seule. Ça me semble bien d'entretenir cette capacité naturelle, parce que sans doute que notre corps s'est organisé de manière à fonctionner avec, et donc que ce soit quelque chose de bénéfique en soi. Donc en soi, l'apnée et surtout cette technique d'apnée douce contemplative me paraît assez hygiénique, donc à inclure dans notre réflexion d'hygiénisme, notamment physique, sportif, l'activité physique, tout simplement parce que ça entretient une fonction naturelle qui du coup ne va pas continuer à s'atrophier. Ça l'entretient, ça permet de la développer, d'arriver à notre plein maximum sans forcer, sans se faire de mal. Et que, comme je l'ai vite fait évoquer, le fait de se concentrer sur les sensations, ce qui fait du bien, ça développe de l'ocytocine, donc c'est très bon pour le moral et donc forcément pour le corps. Et puis ce travail d'efficacité de la respiration qui n'est pas nécessaire en permanence. Et en plus, mais qu'on puisse faire ça régulièrement et puis en plus d'arriver aussi régulièrement à faire baisser notre rythme cardiaque. Et là aussi c'est quelque chose de très bénéfique pour la santé. Donc en soi, en plus d'être quelque chose de parfaitement ludique, de plaisant, de rigolo, parce qu'on peut jouer à plein de choses, enfin s'imaginer plein de choses quand on est là-dedans, c'est vraiment un univers à redécouvrir, et on se fait énormément de bien. Voilà, je m'arrête là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.